Maman, regarde le brush que j'ai fait. Mon Dieu, que tu es belle! C'est pas incroyable? Ah ouais, sérieux, c'est trop canon. Non, mais c'est pas un dingue le volume que j'ai jamais eu autant de volume. Et bien comme ça et tout le volume. Je suis choquée, on dirait que je rentre du salon de coiffure. J'adore. Je veux la même chose. Non, mais genre, c'est trop beau. Comment tu as fait ça? C'est trop forte. C'est un appareil qui fait ça. Ah, je veux. Donne-le-moi, dis-moi ce que c'est. Je veux pareil pour moi. C'est trop canon. T'es malade. Regarde-moi ça. Même le coiffeur, il te fait pas ça? Non, sérieux. Je suis choquée. Le volume, et puis c'est nickel, tu as vu, les mèches sont nickel, elles partent nickel comme ça. J'adore. Fun est le genre idéal. Mais l'amour parfait, c'est pour les cinéastes. Je peux t'amener au bout du monde, faire les plus belles vidéos, écrire les plus belles chansons comme Billy. Je dois absolument vous parler de ce séchoir révolutionnaire que j'ai déniché chez la marque Celestra. Franchement, c'est le séchoir que toutes les femmes méritent d'avoir. Déjà, regardez ce design avec des petits diamants comme ceci, trop cute, la couleur rose poudrée, tout ce que j'aime. Et bien évidemment, c'est un séchoir qui va vous permettre de pouvoir transporter partout. Il est super léger et surtout, il permet de pouvoir faire ce que vous avez envie avec vos cheveux, digne d'un salon de coiffure. Donc, vous avez les embouts pour vous boucler les cheveux. Vous avez bien évidemment l'effet séchoir classique. Vous avez plusieurs bosses pour pouvoir faire votre brushing comme ceci, regardez. Super confortable, genre j'adore, vraiment passion. Ça c'est pour boucler les cheveux et vous avez même le gant pour vous protéger quand vous allez appliquer votre petit séchoir avec les barrettes en question rose, la petite trousse pour transporter votre produit. Franchement, je suis totalement fan de l'article. Donc les filles, première étape, vous allez pouvoir découvrir sur ce séchoir-là les modes possibles. Donc là déjà, on part sur le séchage classique. L'avantage avec ce séchoir, c'est que, comme je vous disais, ça chauffe jusqu'à 1400 watts. Donc, bien évidemment que vous allez aller hyper rapidement sécher vos cheveux. C'est bien évidemment une marque française et clairement, au niveau du budget, on est 3 fois moins cher que le Dyson. Vraiment incroyable. Même dans les salons de coiffure, ils utilisent la marque Celestra. Donc, je vous explique. Vous l'appuyez comme ceci pour l'ouvrir. Et là, vous avez plusieurs modes de pression au niveau de l'air. Donc, je vous montre. Du moins fort, au moyen, au plus fort. Pareil au niveau de la température, ça c'est comme n'importe quel séchoir. À part que là, ça ne va ni brûler, ni abîmer vos cheveux. Donc on va venir sécher tout simplement votre chevelure. Et ensuite, on utilisera le mode brush directement pour pouvoir faire votre brushing. C'est super rapide et très efficace. Et l'avantage, moi je sais que ça me dérange tout le temps. C'est que normalement, les séchoirs sont super lourds à porter. Là, il est hyper léger, donc pareil pour le transporter quand vous partez en déplacement, c'est idéal. Ça ne prend absolument pas de poids dans votre valise et tant mieux. C'est ultra facile aussi. Avec ça, vous n'avez plus du tout besoin d'aller faire un brushing. Bon les filles, restez bien concentrées parce que là, c'est la meilleure étape pour réaliser votre brushing. Pareil que dans un salon de coiffure. Donc là, vous mettez la chaleur comme d'habitude. Puissant. Hop, bien rouge. Et là, j'ai mis le gant. Comme ça, moi, ça va m'aider à pouvoir bien caler mes cheveux. Et là, vous allez voir, ça va être pris automatiquement. En fait, c'est le séchoir qui va le faire tout seul. Vous voyez, il agrippe les cheveux directement. Et après, c'est à vous de voir si vous les voulez plutôt sur les pointes qu'au niveau des longueurs. Mais en tout cas, regardez. Et moi, j'ai des extensions et ça marche tout aussi bien sur cheveux d'extension, qui est en général très dur à faire juste avec le séchoir, que au niveau des vrais cheveux. Regardez. Hop. Non, mais s'il vous plaît. Si, bouffler. Glow up ou pas glow up. Ça. Et comme je vous disais, c'est encore plus dur de trouver des bons séchoirs qui coiffent des cheveux d'extension. Normalement, il faut tout le temps aller chez le coiffeur, les filles. Regardez, il n'y a rien besoin de faire. Regardez-moi ce brush. Je suis fan. Et là, regardez, hop, je lâche. Incroyable. Il n'y a rien besoin de faire. Hop. Non, mais s'il vous plaît.
Les filles, je vous fais juste une pause pour vous montrer ce brushing de qualité. Genre, j'ai jamais vu autant de volume dans mes cheveux. Je suis choquée, on dirait un brushing à l'américaine. Genre, vous voyez ces américaines là avec des beaux cheveux blonds tout le temps. Genre, j'aime trop. C'est ma passion. Écoutez-moi bien, ça c'est un brushing digne de ce nom. Ça, c'est un brushing à qui tu dis 10 sur 10. Non mais qui fait mieux que ça? S'il vous plaît, même la coiffeuse n'est pas capable. Genre, je suis choquée du volume que j'ai. Genre là, j'ai une masse de malade. J'ai pas ça de base, regardez. Non mais s'il vous plaît, regardez. Ok. Donc là, on est d'accord qu'on accepte. On accepte d'avoir un brushing comme ça de qualité. Je sais pas, dites-moi. Dites-moi, parce que là, je comprends pas, en fait. Pourquoi ce séchoir n'est pas sorti avant? Oh, mais s'il vous plaît. Je suis trop fan. Bon, les filles, est-ce que vous êtes prêtes? Vous allez être choquées. C'est moi qui me suis fait mon brushing seul. Vous allez péter un câble. Je vous montre ou pas? 1, 2, 3. Qui a fait ça? Genre, je suis choquée. C'est vraiment genre le brushing de mes rêves. Mais je n'ai jamais eu un brushing comme ça. Je viens de faire ça seule. En 20 minutes, même pas. Genre 15 minutes. Regardez-moi ce volume de dingue. Je suis choquée. Mais c'est incroyablement beau. Bon, bien sûr, vous pouvez les boucler plus, hein. Moi, j'ai voulu faire comme ça, un peu à l'américaine. Genre les influx londoniennes, de LA. Mais je suis choquée. Ça va être votre meilleur achat de l'année, j'allais dire du mois, mais en fait de l'année, de votre life. Genre, ça, vous allez avoir la même chose que moi. Finalement, l'endroit où je passe le plus de temps à chaque événement. Je suis venue chercher plein de trucs et l'appareil à bulles pour le côté un peu Ariel, on va dire. D'accord, il est trop beau, les filles. Je suis venue chercher un petit peu les gobelets parce qu'on ne sait jamais, on a toujours besoin de gobelets. Pareil pour le café. Donc je vais prendre des petits gobelets roses comme ça. Ça fera l'affaire. Ils sont trop cute. J'ai pris des petits trucs pour le café comme ça. Quand même ce que vous pouvez retrouver ici, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Moi aussi, je vais faire une table d'Halloween bientôt. Et je reviendrai ici parce qu'il y a plein de belles choses. J'espère qu'ils en auront toujours. Parce que là, je peux pas m'occuper de tout en même temps, les filles. Le demain, l'événement, c'est cette couleur-là. Donc, du coup, on va prendre les serviettes comme ça. Elles sont trop belles. Je cherche les petites touillettes pour le café. En fait, je voulais pas des cuillères, je voulais des touillettes. Et j'en vois pas. Est-ce que vous en voyez, vous? Peut-être que des fois, je vois mal, moi. J'ai pas l'impression, hein. Ça, c'est des pics, donc rien à voir. Ah, ici. C'est bon, j'ai trouvé. Ça fera la... Ouh! Ça fera l'affaire. Cette couleur pour faire la table d'Halloween, magnifique les filles. Le bordeaux, il faut partir sur le bordeaux ou sur le gris comme ça pour cette année, ça fait trop beau. Vous savez ce que je fais? Je suis complètement folle. Je suis allée à Fête et Recevoir tout à l'heure. Et en fait, j'avais un problème de téléphone, ça marchait plus et tout. Donc du coup, j'étais perturbée par rapport à ça. J'ai acheté tous les ballons, tout ça. Qu'est-ce que j'oublie pas? La machine à bulles. On arrive.
Zani, j'ai acheté l'iPhone 16 Pro et je veux faire un TikTok, mais Ruby, elle veut pas me le laisser pour faire la vidéo TikTok comme tout le monde. Elle veut l'ouvrir direct, sans attendre. Bon, je vous explique, je veux faire la vidéo parce que j'ai vu plein de personnes déballer l'iPhone en TikTok. Du coup, je veux le faire. Mais Ruby, elle est pressée, elle veut que me l'ouvrir ce téléphone. Elle veut pas attendre que je vous le déballe. Mais je vous montre comment ça ouvre ça. Mais non, je veux le faire moi toute seule en vidéo. J'ai le droit quand même. C'est mon téléphone quand même. Mais non, c'est mon téléphone. Ah non, ma belle, c'est le mien. Moi, je vous explique les filles. J'avais encore l'iPhone 13 Pro. C'est-à-dire là, j'étais encore sur l'iPhone 13. Entre-temps, il est parti le 14, le 15. Il était temps que j'en achète un nouveau. Voilà, sachez-le. Pour expliquer, vous avez plus de 4 coloris disponibles. Donc moi, c'est la couleur café. C'est une de mes favoris. Je vais vous en essayer un autre pour vous rendre compte. Et à l'intérieur, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que du coup, vous avez le polaire qui va résister jusqu'à moins 10 degrés. Donc vraiment, ça tient méga chaud. Et en même temps, vous avez cet effet double peau transparent. Tous, ils sont comme ça, du noir, du gris, du top et du café. Vraiment, c'est vraiment incroyable. Et il faut savoir que moi, ces modèles-là, ça fait 5 ans que je les ai déjà. Genre 5 ans qu'ils n'ont pas bougé les filles. Je vous dis incassable, c'est que c'est réellement incassable. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez tirer dessus. Il sera incassable et vous durera pendant des années. Comme je vous dis, moi, ça fait déjà 5 ans que je les ai. Il leur arrive jamais rien. Genre, ils sont trop confortables. Du coup, les filles, je me suis habillée pour ce soir. Je voulais juste vous montrer mes petits collants legs. Ça, c'est la pépite pour l'hiver. Sachez-le, que ce soit pour aller au ski, pour le porter des collants classiques tout au long de votre saison d'hiver, vous allez faire le meilleur achat de votre life. Déjà, premièrement, ce sont des collants qui sont complètement incassables. Je vais vous montrer, mais genre, en fait, il peut rien arriver. Vous savez que normalement, les collants effets transparent, c'est-à-dire double peau, en général, ça vous dure un passage et c'est terminé. Là, vous avez cet effet transparent, donc double peau, qui va être incassable et qui va résister jusqu'à moins de 10 degrés grâce au polaire qu'il y aura à l'intérieur. On est sur la même manière qu'un leggings, à part que la finition termine comme un collant. Donc, c'est vraiment ultra agréable et il existe bien évidemment en plusieurs coloris. Et du coup, je me suis changée, j'ai mis une autre coloris. Ce que je voulais vous dire, c'est que là, vous avez l'offre du siècle. En ce moment, ils font le premier collant à seulement 20 euros. Et quand je vous dis que vous allez l'utiliser pendant des années, c'est que ça ne bougera pas, les filles. Vraiment, valeur sûre. Et vous avez donc soit 20 euros le collant, soit pour, il me semble, l'achat de un collant, le deuxième passe à moitié prix. Franchement, ça vaut grave le coup, ça vous revient 34 euros les deux collants. Et c'est des collants que vous allez garder, les filles, vraiment, et vous allez en avoir l'utilité. Et franchement, valeur sûre, vous allez avoir super chaud. Ah oui, et je voulais vous montrer, mince, j'ai oublié de vous montrer ça. Attendez, je vais voir si j'y arrive. Ah oui, voilà, je voulais vous montrer que ça finissait en collant, vous voyez. Donc en fait, on est vraiment comme un leggings, mais en version collant, qui se termine de la même manière. Donc trop confortable. Les filles, je vous explique. Qu'est-ce que vous ferez à ma place? En clair, demain, là, je vous montre l'image de la pluie qui tombe pile poil pendant les heures de mon événement. Bref, pas de chance, mais en vrai de vrai, on ne sait pas comment le temps sera demain parce que le temps, il nous annonce qu'il ne fait pas beau et finalement, il fera beau. Ou vice-versa, tant il nous annonce qu'il fera juste un petit peu de pluie et d'un coup, le temps, c'est la tempête. Bref, en clair, soit je prends cette décision et le risque de tout faire dehors, quoi qu'il arrive, et je prie pour que... Bah, pas de puits, ou du moins s'il y a des puits, c'est que ça dure vraiment très très peu de temps. Mais j'aurais pas cette solution de repli à l'intérieur parce que du coup, toute la déco et tout, on pourra pas la transporter pour la mettre dans la salle. Donc ça sera vraiment light. Soit, ce que je pense ben, beaucoup plus judicieux, c'est de tout mettre en intérieur, même s'il pleut pas, bah tant pis. De tout faire en intérieur et de me résoudre à ça. Au moins, ben, qu'il y ait la tempête, qu'il pleut pas. Et eh ben au moins j'aurai quand même mon beau décor en intérieur et puis tant pis, même si ça sera pas, ça sera moins waouh, au moins j'aurai quand même géré le décor et que les invités soient bien et voilà, hein. Je pense que faut pas prendre la solution du risque. Je pense qu'il faut aller vers la solution la plus judicieuse qui est celle-ci. De toute façon, je ferai un point demain matin parce que ça change toutes les heures le temps. Demain matin, je vais me rendre directement à la salle parce que moi, j'aime bien tout gérer, même s'il y a pas mal de prestataires qui vont s'occuper de la déco et tout. Mais vous savez, ma passion pour la déco, vous savez, ma passion de préparer ce genre d'événement. Donc, je vais m'y rendre aussi sur place le matin très tôt. Et on décidera tous ensemble de ce qui est le mieux. Mais je pense, en vrai de vrai, j'aurais été beaucoup plus jeune.
j'aurais dit, mais non, fais dehors, quoi qu'il arrive, c'est bon dans la mine. Mais ça y est, j'ai pris de l'âge. Là, je suis plus en mode pensée sûre. Genre, ça sert à rien. Si le temps n'y est pas, bah, tant pis, on est en intérieur. Et puis voilà, c'est pas grave. Mieux vaut un intérieur qui soit beau, qui soit joli, plutôt que de tout faire dehors et qu'à tout moment, il y a la tempête et que du coup, on se retrouve dans une salle vide, sans décor. Et que du coup, on puisse pas profiter de l'événement, quoi. Ça serait horrible, ça. Je pense, non. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?